satellite. On va rapidement jouer le ballon pour Ablaye Camara. Camara Ablaye, long ballon en avant. Non, Jamoussé qui va faire une belle ouverture. Ablaye Samaké qui n'a pas pu. Et donc, récupérer ce ballon. Qui a manqué donc cette reprise. Qui est dans une très bonne dynamique. On va suivre le dégagement de Camara Ablaye. Mohamed Ali Camara. Long ballon en avant, le gardien qui va sortir et qui va capter le ballon pour c'est bien joué. Samaké, la belle ouverture, on va voir, il va passer. Attention, le gardien qui va sortir et qui va capter le ballon. Bide. Le FC amène 1 but à 0. Une équipe du satellite Football Club de Conakry, en tout cas qui reste sur au stade du 28 septembre de Conakry. Puis Désiré, Ablaye Camara maintenant. Yaovi, Camara Ablaye. Ça joue à toi et à moi. Il faut faire maintenant. La tige. Mauvaise passe. La balle est captée par le gardien. On va donc suivre le ballon. Désiré pour Ablaye Camara. Le dégagement de Camara Ablaye. Le ballon qui ne va pas. Le dégagement d'Ablaye Silla Seguele. Au moyen Sané. Qui ne parvient pas donc à récupérer ce ballon. Afia, Momoyan Sané, belle reprise, belle remise. Momoyan Sané, qui a été trop court sur ce ballon. Là, Mohamed Latif Camara qui va récupérer, mettre le ballon dans le paquet. Ça va être récupéré par Camara Ablaye, le gardien de but de cette équipe de Mohamed Sané, qui va jouer sur le côté là-bas avec. Maintenant la tige qui va tirer, non. Un tir qui ne va rien donner. Et avec maintenant Ablaye Nabissila. Nabi, encore revenir. Il a envie de désirer. Désirer, ça circule très bien. On va écarter le jeu pour retrouver Ablaye Samaké de la tête qui renvoie devant. Sans problème pour Ablaye Camara, Football Club de Conakry. Ablaye Camara, c'est très très bien aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ablaye Camara. France avec Mohamed Lamine qui va se dégager. Maintenant on va suivre Yansané plutôt, Momo Yansané. En tout cas, qui est Kangalandri qui va centrer avec son pied gauche. Le ballon qui va sortir. Et donc, c'est une sortie de balle.
au 17 Kondé Moussa Kemoko, au 8 Kamara Yamoussa, au 9 Yeresa Abraman. Sur le banc des remplaçants, on retrouve au dossier numéro 22 Dambakate Sourakata, au 3 Cissé Ibrahim Assouri, au 20 Bangoura Alassane, au 18 Kamara Sekou, au 15 Kamara Ibrahima, au 9 Kamara Ibrahim Assouri, au 11 Kamara Ali Badara. Côté Renaissance qui est vêtu tout rouge, comme vous le savez, le championnat qui a repris son petit bonhomme chemin de Xavier Minougou Abedi, qui a réussi donc à qualifier l'équipe cadette. Mais pour l'instant, le satellite tient ce match avec ce score là intéressant, un championnat relevé avec beaucoup d'envie pour les équipes. Et l'ASFAG a étrié des joueurs de Renaissance. Et le gardien de but qui va se saisir tranquillement de ce ballon, Kamara Blaye. Kamara Blaye qui remplace dans les buts Nwan Kondé, qui est parti du côté de l'association sportive de Kaloum. Il aura fort à faire hein, parce que il y a un certain Aziz Keïta qui est titulaire, à moins qu'il y ait un départ prévu pour l'Inter. Va rester sur le banc. Ablaï Kamara a intérêt de prouver, parce qu'être titulaire dans cette équipe de satellite, il faudra cravacher quand on sait qu'il y a des jeunes capables. On sait que le satellite a été un grand club dans le championnat guinéen, mais l'équipe de satellite qui est en train de subir avec cette occasion peut-être. Et le gardien de but, Kamara Blaye, qui se couche bien, qui rassure tout le monde avec ce corner et derrière la frappe du joueur de FC Renaissance. Il faut quand même s'en méfier. C'est une équipe qui peut être redoutable. Là, avec ce genre de situation, il faut être très très vigilant. Essayer de mettre hors d'état de nuire. Parti, vraisemblablement, parce qu'il y a par endroit pour pouvoir à un certain moment mettre hors d'état de nuire cette équipe de FC Renaissance. On s'ennuie vraiment dans cette partie, on s'ennuie vraiment. 0 à 0 ici au vieux stade du 28 septembre. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Le dégagement très très. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas avoir trop trop confiance en soi. Surtout quand on sait que. Et ils vont poursuivre. Attention, la frappe! La frappe tendue! Ouh là là, quelle occasion! Quelle occasion! Et ça a été une faute, une irrégularité. C'est le match de clôture de cette première journée. Le dégagement, la tête derrière. Bailo Diallo, tentative de Ndé qui a fonctionné. Attention! Kamara Blaye, il ne faut pas jouer à l'économie du temps. Ça va être très compliqué pour dire que l'équipe de satellite a fait 0 à 0. Mais ça n'arrange pas du tout, il faut essayer de marquer le maximum de buts. C'est ce qui compte à la fin. C'est pas ce tort de douleur. Il va y avoir changement. Kamara Blaye qui a été évacué. Donc. Et nous on a cru que c'était pas grave, mais. Merci Couturé, il vient donner le coup d'envoi des deux formations. Et puis l'assistant numéro 1, c'est Fantagbe Kaba, numéro 2 c'est Souma Issa de la Kepatine. Attention, le contre favorable, est-ce qu'il va tenter le tir, le ballon qui va être dégagé en deux temps, le gardien qui va capter le ballon. Alors c'était la première véritable occasion de cette équipe du Félo Stade de la Baie, ici au stade annexé du 28 septembre de Conakry. Remise en jeu.
Il y a Ovi Désiré. Il y a Ovi qui va passer par Ablaye Camara. L'Ansana maintenant. Il y a Moussa. Il y a Ovi Désiré maintenant. Ablaye. Il y a Ovi qui va repartir avec le gardien Ablaye Camara. Le 5 Mohamed Sorel. Mohamed Sorel qui va passer une fois et qui a bloqué. Attention, le tir qui va quitter cadré, mais sans problème pour le gardien du but de la formation de Satellite Football Club de Conakry. Iberson qui va écarter. On va centrer là-bas. Le gardien qui va capter le ballon. Alors c'était le ballon maintenant pour cette équipe du Fello. Le gardien qui va capter le ballon sans problème et qui va satellitaire en tout cas qui a dit qui n'était pas cadré. On va voir la réaction du Fello. Le ballon qui va être capté par le gardien de cette formation de satellite. Le coup de sifflet qui retentit. Il va se lancer, il va envelopper. C'est la barre transversale qui va. Il y a de Sumba en passant par Tico de Kolea. L'équipe de Kanga de Kinia, le Fello, le CI comme ça. On va donc voir la formation du Fello Stade Labbé. On va écarter là-bas la poitrine. En tout cas, le Fello qui est en tout cas sur une très bonne dynamique par rapport à cette reprise. Une équipe du Fello qui mène au score et qui est en train de pousser. Apparemment, qui sont en difficulté cette saison. C'est très très serré pour le maintien. L'Ansana Camara qui passe par le gardien de but Ablaye Camara qui va se dégager. Long dégagement, le crochet, attention, on va rentrer dans cette surface de réparation. Mais il n'y avait pas faute sur le joueur du Fello, Sylla Ismaël. Cette position d'hors-jeu, le ballon qui va être dégagé de la cage gardée par Sylla Moussa. Par Ablaye Camara, plutôt Ablaye. Renforcer en tout cas ce secteur offensif de la formation du satellite pour les 20 dernières minutes. Le dégagement d'Ablaye Camara avec un habit qui va passer par Ablaye Camara. Là c'est bien joué le gardien qui va sortir et capter le ballon. On va voir le centre de le ballon qui va être récupéré dans cette phase de réparation. Il a été en tout cas court sur cette action. Ça va encore revenir. Le Fello gagne. Le Fello va avoir 25 points maintenant. Et va être placé à la 8e place au classement devant Renaissance. Vous avez Alpha Ibrahima Diallo au numéro 23. Ibrahima Souri Camara avec 31 points. La formation de satellite de son côté est 4e avec 25 points. Alors on voit que Yovi Désiré qui va retourner pour Ablaye Camara. Ablaye qui va écarter sur le côté. Encore on joue sur le gardien de cette équipe de Satellite Football Club de Conakry. 41 points. On va voir à ce dégagement. Le gardien de Satellite aujourd'hui, Camara Ablaye, qui a été préféré à Kanté Ablaye, qui est resté sur le banc. Le capitaine ivoirien, Yovi Désiré. Yovi pour le gardien qui va. Mais très malheureusement, son ballon n'a pas été cadré. Quelle occasion pour l'ancien meilleur buteur Wakria qui va remettre le ballon pour le faire play à la formation de Satellite Football Club de Conakry. On va jouer avec Yovi Désiré maintenant. Football Club de Conakry qui de son côté avait fait match nul 0-0 lors de la 16e journée contre ASFAC. Et c'était au stade du 28 septembre de Conakry.
Wakria qui mène pour l'instant 1-0. Et vu Désiré qui retourne. Le coup franc va être tiré directement par ce joueur de Wakria, Camara Mfamoussa. De Mfamoussa à la tête du numéro 32, Alpha Ibrahima Diallo, pour le gardien Ablaye Camara. Camara Ablaye. Un dégagement devant et qui a une politique de jeu avec des jeunes. Le gardien, ça c'est la politique du président Almami Sylla. Il va être récupéré par Ibrahima Souri Camara qui va le tirer directement dans les gants de Camara Ablaye qui a été préféré par Kant qui tente avec Oulari Ibrahima Souri. La rétropasse pour Ablaye Camara. Ablaye qui va encore remettre à Boroque parce que la Ligue avait décidé de jouer à 14 le championnat guinéen. Et bien cette équipe de Warné, c'est le match entre le CI Kamsar et le Oria de Conakry prévu le 10 juin prochain au stade de l'amitié de Kamsar. Vous savez que le Oria qui joue la Coupe des Confédérations, donc satellite, on va se dégager de Mohamed. Mohamed Souma, l'auteur de ce magnifique but. Attention, le tir dans les gants du portier qui était bel et bien sur la trajectoire du ballon. Là ici à l'annexe, cette rencontre qui se poursuit. L'ouverture pour le nouvel entrant, le crochet, le tir qui n'est pas du tout puissant quand même pour venir inquiéter le gardien Ablaye Camara qui va se dégager dans ce championnat guinéen. Là-bas, l'ouverture, on va. Il a voulu jouer Kabakourma pour son Massouri. Camara Ibrahima Souri qui va retrouver là-bas Mérité Daouda. Le petit filet. On estime qu'il y a corner. Le buteur Mfamoussa. Wakria, c'est encore le gardien qui va sortir et qui va se dégager. L'Olympique est entraîné par Soumafo de Tito. Du côté de Félo Star de la Baie, on a dans les buts Camara Ibrahima Wake. Cette équipe du Félo Star qui avait perdu lors de la 15e journée, assisté ce soir par Mandjou Bangoura, assistant numéro 2, Familier Tudiano. On temporise un tout petit peu le jeu côté Félo Star. Le dégagement de Camara Mohamed dans la profondeur. Attention à ce ballon avec Souma Fasciné. Le Félo Star de l'Abbé, Souma Fasciné. Sitôt le ballon, mais qui le perd aussitôt. Attention, oh là là, incompréhension au niveau de la ligne d'attaque du Félo Star de l'Abbé. Fasciné Souma qui a brossé un tout petit peu ce ballon. Oréa et la Escaloum qui sont d'ailleurs coude à coude. Et le ballon revient. Ibrahima Wake qui lève ce ballon. À la retombée, on a le gardien. 1-0, but inscrit à la 4e minute par Kamp qui lève ce ballon à destination de Amara. Et c'est Landel Jean-Claude hein, qui a devancé Amara. Fasciné dans la surface de réparation. Fasciné, il n'a pas de soutien. Il a trois maillots blancs autour de lui. Et c'est bien défendu par Tierno Sadou avec Mohamed qui lève ce ballon dans la profondeur et ça revient dans les gants de Camara Abdoulaye, le portier de la Olympique, avec Nabi Camara, le capitaine. Nabi Camara qui va piquer ce ballon pour personne sinon que le gardien
de Flamme Olympique. 1-0 pour Fellow Star de l'Abbé. Le but du Fellow a été inscrit à la 4e minute par Camara Amara suite à une contre-attaque. Camara, le buteur du Fellow Star de l'Abbé ce soir, le ballon dégagé par Ibrahima Sila. Le dégagement de Camara Bloulaye avec Dramo Tchernosaidou à Flamme Olympique qui joue très bien derrière. Abdoulaye Camara et attention, Fasciné servi, Fasciné, le gardien. Lorsqu'il jouait au sein du club industriel de Kamsar. Trouvé Amara Camara, le buteur. Attention, Souba, oh là là. Il n'y a rien dans cette première période. Le Fellow Star qui est en train de conserver son acquis dans ce match. Mais au finish, c'est Flamme Olympique qui répare avec le dégagement de Camara Bloulaye. Souman Bari qui va piquer. Attention pour Fasciné, lequel va frapper. Ah, quel coup de canon a été dévié par le gardien de la Flamme Olympique, Camara Bloulaye. Camara Alassane. Abakar qui s'est saisi du cuir. Abakar Camara, il a toujours le contrôle de ce ballon. Le dégagement lointain d'Abakar à la retombée. On va regarder ce coup franc lointain pour la formation de la Flamme. Le dégagement, raté le contrôle. Revient Camara Abdoulaye. Bari. Encore la frappe de Henri Camara. Ah, c'est un match hyper serré. Morlaï qui se bat, qui met ce ballon. Fasciné. Le portier qui sort de sa case. Attention à ce ballon, c'est Henri. Le centre de Condé. Le gardien qui a capté ce ballon dans la douleur, il faut le dire. Camara Bloulaye, attention à ce ballon. Fasciné, la contre-attaque. Fasciné qui va désarçonner. Oh là là. Ah, il n'a pas bien conclu. Henri Camara, non. Mauvais ballon de Henri. Ah, pourtant qui a fait un bon contrôle, un con à cette combinaison, Kandas Momeda. Qui a été contré par Landel Jean-Claude. Attention, oh là là, c'est mal dosé par Tan. On joue derrière. Avec Camara Abdoulaye, le portier de Flamme Olympique, qui se dégage loin devant la touche et joue pour son portier Malik. Il remet derrière pour Camara Abdoulaye, le portier de la Flamme, qui se dégage loin devant. A eu du mal à redresser la barre. On se rappelle lors de la 15e journée. C'était un match très bas. Est-ce pas la solution? Est-ce la solution? Il fait un lob, mais finalement, le ballon. Keta Malik qui remet ce ballon derrière pour son gardien de but. À cette équipe de la Flamme Olympique joue maintenant en demi-camp. Ombre à cette équipe du Fellow. Le dégagement de Camara Abdoulaye. Dans ce match, dans cette seconde période. Eh bien, c'est la fin